Ça m'a fait plaisir vraiment, ça m'a soulagée. J'ai un peu oublié même ce que j'avais dans le cœur. Ça m'a beaucoup soulagée. Vraiment, je suis émue. Vraiment, les mots même me manquent. Vraiment, la visite nous réconforte, ça nous remonte le moral. Je ne savais pas que moi, ma modeste personne, tout un chef d'État vient jusqu'à moi. J'ai toujours des enfants dans le corps. Nous faisons que mettre des bénédictions toujours pour que vraiment ça s'arrête et que ça ne se répète plus. Donc ils doivent se venger de la mort de nos maris. Mais Inch'Allah, ils vont gagner cette guerre. On a décidé de lutter pour que ça s'arrête. Parce que ça, plus ça prend le temps, plus ça nous endeuille. Voilà. Donc nous sommes à cette phase actuellement. C'est de préparer toutes les forces et engager réellement le combat. Pour que ceux-là qui nous ont dévancés, voilà, ils puissent reposer vraiment en paix. C'est à cette seule condition qu'ils vont reposer en paix. Lorsqu'on va combattre, les venger, ramener la paix, donc nous sommes engagés dans ce sillon-là. Et aussi, parallèlement à ça, c'est aussi prendre soin de nos veuves et aussi les pupilles de la nation. Voilà. Donc, quand les gens s'engagent, ils ont aussi besoin de savoir ce qui se passe derrière. Et si on ne prend pas soin de ceux qui sont derrière, c'est un peu compliqué. Donc c'est à ce titre qu'on venait vraiment pour s'enquérir des conditions de la famille. Voilà. Savoir si vraiment tout va bien, qu'est-ce qu'on peut apporter. Parce que ce qu'on est en train de faire actuellement pour les familles, c'est des centres qu'on est en train de construire un peu partout pour que les veuves puissent apprendre des métiers de leur choix. À la fin, on essaie de les réinstaller. Aussi s'assurer que les services sociaux s'occupent bien d'elles et des enfants. Et en perspective, je pense qu'on a une agence Karma qu'on est en train de créer à la présidence pour s'occuper uniquement des veuves, des orphelins et des blessés. Voilà. Donc, c'est un peu l'objet de notre visite. Madame, ça va? D'accord. Tout se passe bien. Hein? Grâce à Dieu. Mm-hmm. C'est comme je le dis, comme les frères sont là. Mm-hmm. D'accord. Elle arrive à suivre la formation de l'autre côté. Oui, elle a suivi une formation. Mm-hmm. C'est service GoPara. GoPara, voilà, c'est ça. Mm-hmm. C'est quelle spécialité? Coiffure. D'accord. Il n'y a pas de souci. On espère en tout cas pouvoir les installer et continuer de suivre. Les enfants arrivent à aller à l'école sans problème? Sans problème. Ok. Il n'y a pas de problème alors. Les services sociaux aussi de base, ça va? Oui, vraiment ça va. D'accord. En tout cas, soutien. D'accord. Il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est vous encourager et vous rassurer que ce combat, on va le mener pour que l'Europe puisse reposer en paix. D'accord? Et aussi remonter le moral parce que c'est vrai qu'on va réveiller des souvenirs, mais on ne souhaite pas, c'est pas l'objet de la visite. C'est vous remonter le moral, savoir qu'on est à côté de vous. Voilà. Donc, en tout cas, beaucoup de courage. On priera Dieu pour le repos éternel de leurs âmes. Et surtout, prier pour ceux qui sont engagés actuellement parce qu'ils en ont besoin. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci.